style de tatouage déjà que j'affectionne. Et après, c'est plein de symboles ou des significations. Enfin, il faut les connaître pour vraiment savoir ce que ça représente. Moi, je sais, enfin, je vais prendre mon cas personnel, j'aime pas que tout le monde puisse savoir ce que représente mon tatouage. Bon, déjà j'ai vu son travail sur internet et après sur tous les forums que j'ai fait, on me le conseillait, on m'a dit que c'était l'un des meilleurs dans son domaine, donc j'ai fait le choix de le contacter. Et en fait, alors j'ai demandé à Bernard de me faire le dessin et un jour j'ai reçu un mail qui me demandait si vraiment je voulais qu'il vienne à Toulouse dans le shop de son collègue. Le premier, c'était une lettre gothique pour mon petit frère sur le pec. Ce tatouage, c'est représentatif de toute ma famille. J'ai mis l'ensemble de ma famille, j'ai mis mon attachement au sport, le rugby, et voilà. On va dire que... Tous les gens qui ont des tatouages m'ont dit qu'à chaque fois c'était le dernier et ça continue à chaque fois quoi. Donc pour l'instant j'y réfléchis pas trop, mais bon, je pense que ça viendra. Le conseil, c'est de bien réfléchir. Pas se trimballer avec un truc qui regrettera toute sa vie après quoi. Je te remercie pour cette interview. Avec plaisir, hein. Ça fera 500 euros.